Bonjour, ceci est la version courte de cette vidéo. Chaque année, les continents se déplacent de quelques centimètres. Ce n'est pas beaucoup, mais au bout d'un million d'années, cela donne des déplacements de quelques centaines de kilomètres. Que sont les plaques tectoniques ? C'est une croûte semi-solide et fragmentée à cause du mouvement du magma situé entre le manteau et la croûte. Le nom plus scientifique est plaque lithosphérique car elles sont situées dans une zone que l'on nomme lithosphère. Pourquoi il y a plusieurs plaques ? On prend souvent l'exemple du puzzle pour illustrer. Ce moyen montre le fait qu'elles sont complémentaires, cependant il n'est pas correct de les associer à un puzzle solide et sans aucune autre solution possible. En plus, le magma qui bouge sous les plaques les font bouger bien évidemment, se diviser et se rassembler. Il y a aussi le fait que certaines plaques sont cachées en dessous des autres, comme pour la plaque indo-australienne qui passe en dessous de celle d'Eurasie. Connaît-on toutes les plaques ? Non, car il y en a qu'on n'a peut-être pas encore découvertes. En plus, il y en a d'un certain point de vue une infinité, car il y a les principales que l'on connaît bien, et puis il y a d'autres fractures, en général plus froides et plus petites, qui sont nombreuses et variées. Que se passe-t-il au niveau des continents ? Il y a quatre possibilités. Voici une collision, on remarque une chaîne de montagnes qui se crée. Lors d'une expansion, très peu de roches tombent ici, ce sera en général une plaine océanique. Une subduction amènera de la Terre à un même endroit, donc une chaîne de montagnes avec une fosse à côté. À certains endroits, les plaques se frottent. Il y aura donc des tremblements de terre. Dans le passé, certaines plaques ont parfois raclé, entre guillemets, la terre. Et puis, ils sont repartis, ce qui explique les reliefs accidentés, là où il n'y a pas de fin de plaque. Et les volcans dans tout ça ? Le principe, c'est que du magma doit sortir du manteau terrestre s'il est trop chaud. Donc un volcan se crée. Le point chaud peut se déplacer, et s'il est trop loin de l'ancien volcan, il perfore la plaque pour sortir, etc. Est-ce qu'à la fin de ma vie, la Terre aura un autre aspect géologique ? Ah ça non, petite voix, au cours d'une vie humaine, les plaques bougent en moyenne de 2 à 150 cm. Tout ça, c'est très lent. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Tu peux également regarder la version longue de cette vidéo. A bientôt, peuple de la planète Terre.